Hello, hello, c'est Casemus pour ce second tuto. Donc le premier tuto a bien fonctionné, j'ai eu de bons retours. Et ça fait plaisir. Je vais essayer vraiment d'être aussi concis, aussi précis et aussi concret dans ce tuto-là. Donc ce tuto sur le complete dribbling. On va voir deux choses. Le complete dribbling en lui-même, ce que j'effectue à l'écran. Vite fait, on va voir différentes façons dans FIFA de s'arrêter, d'arrêter son ballon, d'arrêter sa course. On va tout de suite démarrer le match d'entraînement, c'est tout ça. C'est très bien. Déjà, on va voir comment s'arrêter. Donc je me suis dit que c'était bien de voir les différentes façons qu'il y a de stopper sa course dans FIFA 13. Je vais vous expliquer la première. Donc c'est d'appuyer sur L1 ou LB sur Xbox. Relâcher toute direction et appuyer sur L1. Voilà. Alors L1, voilà. On voit que le joueur s'arrête. En faisant à chaque fois face au but, hein, en restant dans l'axe du but avec L1. Avec, si j'appuie sur R2 ou RT sur Xbox, là, il s'arrête vraiment dans la direction dans laquelle je vais. Sans regarder le but ou quoi que ce soit. Évidemment, on a vu dans le premier tuto, cette touche-là permettait aussi de protéger son ballon. Donc s'il y a un défenseur proche de moi et que je l'utilise, il va plutôt voilà, protéger son ballon. L1 ou R2, LB ou RT, ça permet de s'arrêter. Une autre façon de s'arrêter est tout simplement d'effectuer une feinte de frappe. Donc je pense que tout le monde est au courant des combinaisons. Néanmoins, je vais quand même les expliquer. Feinte de frappe, il suffit de tirer et d'appuyer sur passe très vite avant que le tir s'effectue. C'est rond et croix sur PS3. B et A sur Xbox 360. Et si je relâche donc toutes les directions, au moment où il va effectuer sa fin de frappe, vous voyez que là, il s'arrête tout de suite. Voilà, les façons de s'arrêter sont importantes, je trouve, dans FIFA 13. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que le complete dribbling ne s'effectue qu'à l'arrêt. En appuyant sur la touche L1 ou LB, donc à l'arrêt. Si je reste appuyé sur L1, vous voyez que mon joueur de toute façon va s'arrêter vu que c'est une touche qui permet de s'arrêter. Et derrière, je peux enchaîner un dribble. Donc, c'est un dribble qu'on va pouvoir faire assez rapidement, assez brièvement, une fois qu'on est arrêté. Hop. La meilleure façon, je trouve, de dribbler, c'est de pouvoir s'arrêter derrière, de faire un complète dribble. Hop. Voilà. Et ça permet derrière, je m'arrête. Alors il faut le faire brièvement, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur L1, relâcher et utiliser la course après derrière pour pouvoir avoir en fait une sortie de dribble. Je fais râteau vers l'arrière, derrière je relâche L1 et là je démarre. Donc là évidemment on peut comme ça, fait comme ça, ça n'a pas grande utilité. Si je le fais rapidement, voilà, vous voyez qu'il y a une sortie de dribble. Le joueur va pousser son ballon, le complete dribbling est beaucoup plus efficace contre un vrai joueur que contre l'ordi. Voilà, ça c'est le geste, un des gestes que j'affectionne particulièrement dans FIFA 13, quand le joueur va passer le ballon derrière son pied d'appui. Vous voyez que de toute façon, on a différents dribbles de sortie, là je vous le montre, c'est quand on le fait assez rapidement, hein, c'est beaucoup plus déjà instinctif, mais vous voyez qu'il y a différents dribbles de sortie, et ça peut être vraiment utile. J'utilise L1, je relâche, et derrière je cours. Ce qui est important là-dedans, en fait, c'est pas le précision dribbling en lui-même, c'est pas le geste que vous allez faire en premier, c'est la direction de sortie. Hein. C'est là qui va faire que le dribble est efficace ou pas. Évidemment, si je le fais et que je fonce dans le défenseur, là, c'est pas la peine, le défenseur va me prendre le ballon. Après, c'est vraiment de l'intelligence de jeu, hein. C'est vraiment trouver, savoir utiliser les espaces. Tout ça, forcément, ça requiert quand même une certaine connaissance aussi des mécaniques de FIFA 13. Mais néanmoins, rien ne vient tout seul. Hein. Tout vient avec la pratique. Alors, je vais vous montrer aussi une autre façon de dribbler avec le précision dribbling. Alors, vite fait, le précision dribbling, on voit que si je maintiens vers l'arrière, râteau arrière. Si je maintiens vers l'avant, râteau avant. Si je maintiens vers la droite, râteau vers la droite. Si je maintiens vers la gauche, râteau vers la gauche. Si je m'amuse entre gauche et droite, on voit que le joueur va changer de pied. Et si je m'amuse avec un peu toutes les directions en faisant des ronds, en faisant des... Voilà, vous voyez que il y a plein d'animations différentes finalement. Alors une autre façon de dribbler avec le précision dribbling concrète,
C'est vraiment bien temporisé. S'approcher au plus du défenseur, plus on va être près du défenseur, plus notre dribble derrière va être efficace. Après, ça dépend de quel dribble on va sortir derrière. Bon, on va appeler ça la roulette. La roulette de Zidane, on va dire. La roulette de Zidane, elle marche bien quand le joueur est vraiment très très proche de nous. Alors bon, pour les gestes techniques, après, pour l'instant, on va pas en parler. Je ferai un tuto vraiment spécial là-dessus, parce que vous imaginez bien que parler des gestes techniques, un peu faire le tour, ça va demander une longue vidéo quand même. Enfin voilà, ça c'est pour le complet dribbling. Et on a vu aussi les différentes façons de s'arrêter. Alors, un dribble, quand on utilise les différentes possibilités d'arrêt de course, comme d'habitude, c'est faire croire hein, à l'adversaire. Voilà, on s'arrête et on repart. Ça peut être vraiment vraiment utile, ça marche très très bien, ça marche, c'est vraiment super efficace, c'est tout simple et c'est super efficace contre un joueur, notamment quand on veut déborder, s'arrêter, repartir. Après vous avez le choix, vous avez trois façons, hein, je vous les ai expliquées. On peut utiliser voilà différentes façons de s'arrêter pour derrière repartir. Hein. Après libre à vous de changer de direction, de faire ce que vous voulez avec. Mais moi je conseille par contre à chaque fin d'arrêt de d'utiliser la touche de course évidemment. Pour donner beaucoup plus d'impact au dribble. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Avec le complet dribbling, on peut très bien aussi utiliser un peu le complet dribbling. Comme ça, sur un court instant. Et sur un instant, on va dire, pas un court, un instant. un plus long instant qu'un bref instant. Non, bah, l'utiliser voilà, un petit moment. Et derrière, utiliser le joystick droit. Vous voyez ? L'impact que ça peut donner aussi au précision dribbling derrière. Se rapprocher, finalement, le dribble le plus efficace sera celui qui s'effectue le plus proche du défenseur. Plus je me rapproche du défenseur, ou plus je le laisse s'approcher de moi, plus derrière, ça va être difficile de le passer, mais si je le passe, là, le dribble est 100% réussi, hein. Donc, je pense que j'ai à peu près expliqué tout ce qui concerne le complet dribbling. Néanmoins, je sais que c'est un peu un dribble un peu abstrait parce qu'il est pas efficace tout de suite. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, j'espère que ce tuto sera intéressant pour vous. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est aussi même si vous n'utilisez pas trop souvent ce genre de dribble, hein, comme moi, je l'utilise pas super souvent non plus. Il y a ce dribble-là que j'utilise. On le voit un peu dans les matchs que j'ai effectués dans ma série. Je le fais au moins une fois par match. Mais voilà, ça permet d'enrichir vraiment notre jeu. L'important, c'est vraiment d'avoir plusieurs cordes à son arc et pouvoir faire face à vraiment toutes les situations qui vous sera donné en match. Un bon joueur, va falloir le surprendre pour le passer, pour gagner le match. Va falloir être créatif. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. J'espère que cela vous sera utile et que ça vous aura plu. J'ai été bien précis. Au niveau des tutos, là c'est vrai que je sais pas vraiment le prochain ce que ça va être. Enfin, j'aurai le temps d'y réfléchir. Donnez-moi vos avis sur le prochain tuto. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, un prochain match de série. En attendant, je vous laisse. Ciao, ciao.